Voici Marie. À 17 ans, elle a eu recours à l'IVG. Elle est tombée enceinte alors qu'elle était encore au lycée. J'ai pris conscience qu'en fait, j'étais pas du tout au courant de comment bien prendre la pilule et quoi faire si je l'oubliais, quelles questions me poser. Les réponses, je les ai eues quand j'étais enceinte, donc oui, trop tard. Sur des questions très pratiques de comment bien prendre sa contraception, par exemple, à l'école, jamais on a eu des informations comme ça, jamais on a pu en parler. Enfin, moi, personnellement, jamais j'ai pu en parler avec quelqu'un. Comme Marie, plus de 13 000 mineurs ont eu recours à l'interruption volontaire de grossesse en 2007. Un chiffre en constante progression depuis 10 ans. Et ce, malgré la loi. Elle prévoit pourtant un accès gratuit et anonyme à la contraception pour les mineurs, ainsi qu'une information et une éducation sexuelle obligatoire au sein même des établissements scolaires. Mais dans la pratique, ce n'est pas véritablement le cas. Pour l'Inspection générale des affaires sociales, 10 ans après la mise en place de la loi, le bilan est plutôt mitigé. Bonjour Claire. Bonjour Danielle. J'ai récupéré le dernier rapport sur notre mission sur la prévention des grossesses non désirées. On est incapable aujourd'hui de faire un bilan pour savoir si la loi est réellement appliquée. Elle est appliquée, mais de manière très incertaine. Israël Nizan est gynécologue à Strasbourg. Il a l'habitude d'informer les jeunes, mais il a le sentiment d'être très seul dans ce combat. Il s'agit d'un problème de volonté politique, car je suis surpris que dans notre pays, la France, tout le monde soit d'accord qu'il vaut mieux prévenir une IVG plutôt que de consoler les jeunes femmes au passage dans nos salles d'op. Tout le monde est d'accord avec ce principe-là, mais personne ne passe à l'acte. Et pour Israël Nizan, passer à l'acte, c'est d'abord se rendre sur le terrain, dans les écoles, pour faire passer son message. Tomber enceinte n'est pas anodin. Aujourd'hui, justement, il se rend dans un lycée pour faire de l'information. Avoir une IVG à 15, 16 ans, 17 ans, dans une solitude extrême, moi je veux bien qu'on me dise que ça laisse pas de séquelles, mais je vois tous les jours dans ma pratique médicale des femmes qui me disent, vous savez, docteur, 5 ans, 10 ans, 15 ans après une IVG, vous savez, je suis plus pareil quand on m'approche d'un homme. J'ai toujours cette histoire dans la tête. Vous savez, cette IVG que j'ai fait à 16 ans, je suis blessé. La meilleure IVG, c'est celle qu'on n'a pas besoin de faire. Hein. C'est celle qui a été prévenue. Pourtant, 2 IVG sur 3 seraient évitables. Mais pour cela, il faut trouver les mots justes. Comme au lycée international de Strasbourg, où le docteur va parler aux adolescents. Je viens depuis 10 ans chez vous chaque année, vous le savez, pour aborder les questions de sexualité devant vous. Premier rapport à 14 ans, normal, pas normal ? Normal. Et premier rapport à 22 ans, normal, pas normal ? Normal. Normal aussi. Pendant 2 heures, le professeur Nizan va aborder tous les sujets. Contraception et IVG, bien sûr, mais aussi homosexualité, orgasme ou encore masturbation. Tout est abordé, même les sujets les plus dérangeants. Est-ce que se masturber 3 fois par jour, ça rend sourd ? Non. Est-ce que ça allonge le zizi ? Non. Est-ce que ça le redresse quand il est tordu ? Non. Est-ce qu'on peut avoir un cancer de la foufounette parce qu'on s'est trop masturbé ? Non. En matière de sexualité, un vocabulaire volontairement proche des jeunes. Depuis 20 ans, l'action semble porter ses fruits. Strasbourg compte 2 fois moins d'IVG sur mineurs que le reste de la France. Quant aux jeunes, ils apprécient la démarche. Personnellement, je trouve que c'est bien d'en parler et qu'on apprend toujours des choses en voyant ça. Il y a des choses qui sont un peu taboues et donc on n'ose pas en parler. Et donc là, c'est bien qu'il aborde le sujet. Et pour informer directement, Israël Nizan a lancé le dispositif Info Ado. C'est un site internet avec des questions-réponses. Et ici, pas de tabou. Tous les sujets sont abordés. Et ça marche. Une 12aine de questions chaque jour. Bonjour, une femme enceinte de 2 semaines peut-elle déjà avoir du ventre ? La réponse, une grossesse de 2 semaines ne se voit pas. Un succès qui a pourtant ses limites. Sur le site, certains ont peur, par exemple, quand ils mettent le mail, ils disent « j'ai peur que mes parents tombent dessus », etc. Donc ils préfèrent venir directement.
car l'anonymat est un point essentiel pour tous ces jeunes. Du coup, le dispositif Info Ado leur propose également un lieu d'accueil. Les jeunes peuvent y accéder gratuitement, sans qu'on leur demande leur nom. Dommage cependant que cette initiative soit la seule du genre dans tout le pays. Autre région, autre initiative. Avril 2011, c'est le lancement du pass contraception en Île-de-France. Le pass, c'est un chéquier destiné aux 160 000 élèves de seconde de la région. Distribué dans les infirmeries scolaires, il permet aux mineurs d'accéder gratuitement à la contraception, et ce, tout en restant totalement anonyme. Quand vous ne souhaitez pas en parler à vos parents, et bien évidemment, il faut payer la consultation. Et comme jusqu'à l'âge de 18 ans, vous êtes sur la carte vitale des parents, ben là, il y a un problème de confidentialité. Cinq jours après son lancement, nous sommes allés au lycée Elisa Lemonnier de Paris. Pour la région, le pass contraception est un succès. Vous avez entendu parler du pass ? Oui. C'est avec ce coupon que vous pouvez accéder à la contraception, aux visites médicales, gratuitement. Est-ce que vous trouvez ça utile, le pass ? Bah oui, c'est utile pour les adolescentes qui ne parlent pas de ça avec leurs parents et qui n'ont pas envie que ça se sache, en quelque sorte. Merci, au revoir, à bientôt. Les quelques passes contraception de l'infirmière ont été distribuées en quelques jours. Un succès qui cache en fait un échec, celui des parents. J'aimerais qu'on n'oublie pas que ce sont quand même les parents qui sont concernés en premier, du moins la sphère familiale, quand on commence à parler contraception. Alors je sais que ce n'est pas facile de parler contraception, mais pour nous, ces chèques, ce sont des outils. Pourquoi la prévention en amont ne se fait-elle pas ? Une question qui reste en suspens, car encore aujourd'hui, parler de sexualité aux enfants demeure un tabou.